Salut à toutes et à tous, c'est Dark69, bienvenue dans le troisième épisode de We Were Here Too. Toujours en compagnie de Miss Nunions coincée dans sa salle. Eh oui, salut. Alors, donc on va continuer notre petite aventure sur We Were Here Too. On va commencer à essayer de réfléchir à des énigmes. Alors, on connaît jusque là, mais vous inquiétez pas, après ça va être la merde. Je vous le dis tout de suite. Ouais, vu ce qui m'attend, ça va être la galère. Alors. Ah oui. C'était ici qu'il fallait mettre. Bon, je fais le tour rapide. Hein. Pour montrer un petit peu. Je fais le tour rapide. Alors, dans cette partie-là, je vais devoir lui décrire des vitraux. Mais ça va être la merde. Franchement, ça va être la merde. Tu m'as dit quoi, je lis. Alors, sur le vitraux de gauche. Je précise sur le vitraux de gauche. La tête qui est tout en haut, c'est une sorte de roi, et une couronne, c'est la couronne comme t'as sur Rocket League. Oui. Il a des bulbes sur les épaulettes, je sais pas si on dirait des bulbes, je sais pas ce que c'est. Ou des épis de maïs, enfin bref, je sais pas. Ouais. Et ça c'est sa tête, il a une moustache, enfin voilà quoi. Oui. Voilà, et ça il va aller sur le vitrail de gauche. Ouais. Alors, le torse, comme on va appeler ça du vitrail, c'est une rouquine avec une épée plantée. Ouais, elle est grande ou pas? Oui, c'est la grosse épée, c'est D'accord. C'est le machin mastoc. Ouais. Tu me dis quand c'est mis? C'est bon. Et alors, le parterre, on pourrait supposer que c'est un parterre de fleurs avec une fontaine au milieu. Avec des buissons. Ouais, je crois que je l'ai. Je crois. Hein. C'est une fontaine au milieu. Y a rien d'autre. Alors, soit c'est une fontaine, soit c'est Excalibur. C'est comme tu veux l'interpréter. Hein. Mais moi, je pense que c'est une fontaine. C'est une fontaine. C'est bon. Ok. Sur le deuxième. Ouais. Enfin, celui du milieu, quoi. Ouais, voilà, celui du milieu. La tête, c'est un soldat. Avec une armure, avec des armoiries, donc les sortes de hyènes, pareil, le même décor sur les épaulettes que le roi, avec des sortes de, ouais, de, t'sais, d'animaux sur le torse, et il regarde en direction de... Attends, quand tu le regardes, il regarde à droite, pour toi, quand tu le regardes, il regarde à droite, et quand tu tournes la tête, enfin, quand tu le regardes pas, il regarde à gauche. Tu lui tournes le dos, quoi. Meilleure description ever, je vous le dis tout de suite. Description du gauche droite. C'est ma description, et elle te prout. Mais il y en a 4 différents dans GameDR. En fait, de toute façon, les 3 têtes regardent tous du même côté, c'est-à-dire que quand tu leur tournes le dos, ils vont regarder à gauche. Et ils sont quelle couleur, les trucs? De quoi? Ah, parce que j'en ai 2 différents, donc c'est chiant. Alors, t'en auras un, effectivement, il a une armure grise, et l'autre, c'est plus, on aurait eu une armure d'or. Mais c'est quelle armure, la tienne? Moi, c'est une armure d'or, en fait. Non, parce que j'en ai 2, en fait. Mais celle du milieu, c'est une armure d'or, avec, justement, comme je t'ai dit, les deux bêtes sur le torse. On va supposer que c'est ça. On est dans la merde. On va pas y arriver. Voilà. Roger. Pour le torse, c'est la... On dirait une sorte de, ouais, de Valkyrie. Avec des flèches et un arc. Ah oui, non, mais ça, c'est de l'autre côté. Alors, des fois, les amis, en fait, on prend connaissance un peu de la salle avant. Histoire quand même de savoir où on est. Et histoire de savoir où est-ce qu'on trouve les choses pour éviter de vous faire poireauter comme des idiots. Est-ce qu'elle a une armure? Oui. Non, mais c'est obligé de dire ça. Oui, criblé de flèches. D'accord, je me suis tombé de sens. Ça commence bien. J'arrive pas. Non, t'inquiète. Et comment ton parterre de fleurs, là? Alors, c'est un parterre de...
Alors, au premier plan, on dirait qu'il y a sorte de gros arbres verts. Il a ensuite, en symétrie, il y a quatre arbres, quatre sapins, on va dire, ouais, c'est des sapins. De chaque côté, en fait, de l'arbre. Est-ce qu'il y a des deux arbres sont sur le côté? Oui, ils sont tous allés. Alors, là, il y a un arbre de chaque côté. De chaque côté, on est d'accord, au premier plan. Oui, et ils sont verts Et ou ils sont pas? verts avec les branches, etc. Il y a des sortes de dunes. Ouais. Et il y a quatre sapins de chaque côté. Enfin, quand tu prends par le milieu de la dune, il y a quatre sapins en symétrie. Enfin, c'est de la symétrie de toute façon, les vitraux, mais. Dire que j'ai ça si c'est pas ça vous m'aide bon, du coup il en manque un Alors celui-là, c'est le barbu. C'est le chevalier barbu avec l'armure grise. Et qui regarde, pareil, quand tu le regardes, il regarde à gauche. hein, quand tu regardes tu le regardes il regarde à gauche. Ouais. Et quand tu lui tournes le dos, et bah. Enfin, pardon, quand tu le regardes, il regarde à droite. Autant pour moi. Et quand tu lui tournes le dos, il regarde à gauche. En fait, il a la tête tournée dans le même sens que tous les autres que t'as déjà mis. Oh bon? J'ai pas regardé. Oh putain, ça se trouve, le roi, je t'ai même pas dit ça. Je te l'ai même pas dit. Parce qu'il y a deux rois normalement, et je crois que je t'ai pas dit la direction. Non, on m'a pas dit la direction. Mais en fait, ils regardent tous dans la même direction. T'as de la chance que oui. Du coup, après? Ensuite, nous avons affaire à une jeune demoiselle blonde assassinée sans trace de sang, avec la dague posée sur le ventre, mais sans aucune trace de sang. Pas elle. Elle est beau. On se rend pas compte, hein, mais moi je veux faire tout le tour. Hein. Ah mais ils pourront voir ça de ton côté, hein, ne t'inquiète pas. Et bon, est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Attends, mince. Elle s'est fait attaquer par une flèche. Non. Ah bon? Non, elle a une dague. Aveugle. N'y a pas de grande mare de sang derrière elle, elle est juste égorgée avec une dague. Oui, mais elle a du sang sur elle. Juste au niveau du cou et au niveau de la bouche. Et au niveau de la dague. Et au niveau de la dague. Voilà. Mais y a pas de grande mare de sang derrière elle. C'est ce que je veux dire, pas comme les autres. Mais tu m'as dit pas de sang, donc j'ai en mode quoi? Non, mais pas de sang comme les autres, en fait, derrière elle, avec une grande mare. Et le parcelle? Alors, le parterre, ce sont. Alors, il y a trois arbres de chaque côté, ce sont des arbres morts, mais des gros arbres. Il y en a 3 ou 4. Alors, trois de chaque côté. Un gros en premier plan et deux en arrière-plan. Et ben mince, c'est pas ici. Et ils sont gros. Et ils sont morts. Ils sont beaux, ils sont morts, ils sont gros, ils sont pas beaux. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. What the fuck? The fuck? Je vous jure que les amis, c'est pas si simple que vous pensez, hein. Deux arbres, trois. Non. Oh, il y en a trois. Quatre, je mets quatre là. Trois arbres morts. J'ai deux voix. Hein. Bah, ils n'ont pas de feuilles vertes, rien, ils sont vraiment tout marrons. Mais moi j'en ai un, mais il en a quatre. 4. Comment ça, il en a 4? Bah, il y en a 4 au milieu. Oui, voilà, mais quand je disais 3, en fait, c'était 3 de chaque côté, en fait. Donc c'est celui-là, ça doit être celui-là que t'as à 4.
C'est juste que nous, on sait, voilà, on n'a pas la même. C'est moi, en fait, j'écrivais qu'une partie pour justement que t'as pas besoin de te dire avec l'autre côté, quoi. Vu que c'est des symétries. Merde, j'ai décroché le truc. Putain, ça me tient. Bah non, faut que j'aille la rechercher. Je sais plus lesquels c'était. C'est ça. C'est chiant. C'est bon. Non. Tu m'as dit que pour le deuxième, c'était quoi? En dessin? Et il y a tous mes côtés. Quand tu les regardes en face, quand tu les as face à toi, ouais. Est-ce qu'ils regardent tous à droite? Oui. Ok. On est d'accord que le premier à gauche, c'est le roi. Premier. Ah, oui. Celui du milieu, c'est celui à l'armure d'or avec les deux sortes d'animaux sur le torse. Ouais. Et celui à droite, c'est celui qui a l'armure grise. Putain, mais je vois pas les différences en fait. C'est chiant. Ouais. Ok. Dire ça. L'armure d'or, elle est au milieu. Oui. Ouais. Ok, alors ensuite à gauche au milieu, on a Larousse qui est tué avec une grosse épée. Oui. Avec une grosse giclée de sang derrière elle. On va dire ça, oui. Une sorte de grande coulée de sang. Au milieu, on a ouais, la Valkyrie avec une armure, avec trois flèches sur elle, avec un arc. Et allongée dans la même direction que Larousse. Oui. Et avec du sang derrière elle. Ouais. La dernière, c'est la blonde, allongée dans le sens opposé des autres, avec la dague, la gorge égorgée, enfin, la gorge égorgée, la dague et la lèvre, un peu de sang dans la bouche. Ouais. Pas plus de sang que ça. Ok. À gauche, le parterre est un parterre avec la fontaine. Avec la rousse, là? Oui. Ouais. Enfin, il y a une espèce de truc au milieu, je sais pas ce que c'est, mais je pense que oui. Oui, il y a un truc au milieu qui fait une sorte de jet. Je peux pas vous reprendre. Non. Enfin, si tu t'accroupis, mais faut t'accroupir avec B. Ah oui. Non, mais même comme ça, je peux pas le reprendre. Ah merde. Ah, c'est bon. Je peux pas le repousser. Je vais faire tomber par terre, tiens. Oui, c'est une fontaine. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, faut que j'aille en chercher. C'est bon. Des fois, en fait, voilà, il y a des grands moments de vide, mais c'est normal, les amis, parce que c'est le temps de la réflexion. C'est une grande fontaine. Ah oui, c'est une fontaine en plein milieu. Ah non. Oui, en plein milieu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Excalibur, c'est une fontaine. C'est, enfin, c'est plus une fontaine, ouais. Je pense, avec des fleurs et tout, des fleurs rouges. Ouais. Enfin, des buissons avec des fleurs rouges plutôt. Voilà. Deuxième. Alors, pour voir ça, c'est... Alors, le deuxième, il y a les deux gros arbres en premier plan. Ouais. Qui prennent un peu toute la place. Et il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arbres. En arrière-plan. J'en ai 6. Ah, alors moi, non, il y en a 8. Eh ben, c'est pas celui-là. Bon, quand je rappelle. Ah, putain. Mais c'est pas celui-là. Bon,
Donc c'était là où on s'était mal compris. On lâche ça. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Comment ça? Parce que j'ai qu'un truc où les arbres sont morts. Enfin, sont morts. Mais non, mais je parle de celui du milieu, moi. Pas celui avec les arbres morts. Oui, non, mais... Oui. Mais putain. T'en as un où il y a un moment, il y a 8 arbres verts. Et les deux premiers en premier plan qui sont verts. 8 arbres verts. Ouais. Ça fait 3, ça fait 8. En fait, t'as l'impression que c'est des sapins. Ouais, mais j'en ai deux comme ça, oui. Puis, je tourne de l'autre côté. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. Attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 en arrière-plan et 10 en tout. Voilà, en comptant les deux gros qui sont sur des dunes, on est d'accord. C'est-à-dire ça. Qui sont sur le côté. De quoi, les deux gros arbres? Oui. Oui, oui. Et qui reprend, qui sont un peu au-dessus sur le devant, mais ça compte pas. Ils sont un peu au premier plan. Ouais. Parce que j'en ai un deuxième aussi, mais je pense pas que ça soit celui-là. C'est très chiant. Ouais. Forcément que je me gourre quelque part. Bah voilà. Oui, bah c'est celui-là, en fait, je m'étais trompé. D'accord. C'était le deuxième. Qui me parle? C'est moi. Enfin, c'est moi. Non. C'est le gars qui me parle. Alors, à l'heure actuelle, les amis, parce que je vous décris en même temps exprès, moi, devant moi, j'ai un plateau de jeu. Je te laisserai décrire le tien. Moi, j'ai un plateau de jeu, justement, avec un pion, avec deux épées dessus. Et on vient de m'annoncer de détruire mes ennemis. Alors moi, devant moi, j'ai, on va dire, un espèce de déchiquier. On peut dire ça comme ça, non? Oui. Avec des pierres disposées un peu partout et des ennemis et des ennemis qui sont devant le château qui est en face. Là, il doit détruire quoi? Des ennemis? Ouais. Et là, c'est ce personnage-là, c'est Dark. Il doit éliminer les autres ennemis qui ont ces capes là. Et je ne vois pas les ennemis. Moi, je ne vois que deux tours et des pierres. Oui. Donc c'est moi qui dois normalement dire où il doit aller. Sauf que je suis très nulle. Et ça va être épique. 1, 2, 3. T'avances 3 fois devant toi. Ah, ok. 1, 2, 3. Voilà. Attends, mais c'est possible ça? Ah oui! Oui, d'accord. Une fois à gauche. 1, 2, 3. 3 fois devant toi. Et une fois à gauche. Et 2 fois à droite. 1, 2, 3 fois devant toi. C'est bon, non. Il doit manquer des soldats. Ah merde! Tu peux reculer ou pas? Ouais. Elle est fort. En perne. 1, 2, recule 2 fois. Va 3 fois à droite. Recule 2 fois. C'est bon. Putain, je suis tombé en plein sur toi. Ok, alors apparemment les tours ne sont pas alignées, donc il va falloir que j'arrive à désynchro un de mes chevaliers. Oui, il y en a une qui est mort. En fait, elles ne sont pas du tout sur la ligne. Et là, il y a deux chevaliers qui sont synchro. Et là, ça va être la merde. Alors, je veux visuellement... Je suis désolé de te dire ça. Est-ce que mes deux chevaliers sont sur la même ligne actuellement? Oui. Ok, est-ce que tu peux me donner leur position exacte, s'il te plaît?
Il y en a un qui est la deuxième case à gauche. Et Ouais. l'autre, il est la troisième case en partant de la droite. D'accord, donc t'en as un qui est à côté, du côté gauche de la pierre et un qui est derrière la pierre. Ils sont sur la deuxième ligne, on est d'accord. Mais qui? Mes chevaliers. Ils sont sur la deuxième ou première ligne? Ce sera la première ligne. Ah! Ils sont sur la toute première ligne. D'accord, donc il y en a un ici. Alors, je vais vous le dire, il y en a un, je crois, qui est ici. Et l'autre qui est ici. Alors, si je fais. Ah, attention, les amis, ça va être drôle, vous allez voir. Ça se trouve, j'ai complètement failli. Alors, 1, 2. Un caillou devant toi. J'ai un caillou devant moi, c'est fait exprès. Non, mais je suis le client. 3, on est d'accord, celui de gauche, il est décalé maintenant. Oui. Ok, donc si je fais ça, 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 l'autre, il est passé entre les deux cailloux. Oui, il est entre les deux cailloux, oui. L'autre, les amis, il est là. Donc si je fais non, il est là. Si je fais ça, lui il doit être là. L'autre, il est entre les deux cailloux, il a dépassé les deux cailloux. Il a dépassé. T'as juste décalé. Ok, et Et après, normalement. reste avance. Bon. Ok. Alors là, je crois que tu dois aller au de lumière rouge, c'est ça? Tu dois aller là. C'est une lumière. Je suis nous. Où sont mes Ça. chevaliers? 1, 2, 3, troisième ligne. Je suis à la troisième ligne. Oui. Ok, et ils sont placés comment? Bah, 1, 2, 3. Troisième case en partant de gauche, il y en a un. Ouais, donc il est dans la ligne entre les deux cailloux. Il est Oui, dans il est la... là. Dans Voilà. la colonne, tu veux dire? Ouais, dans la Non? colonne avec le... Là où il pourra passer entre deux cailloux. Oui. Ok. Et l'autre, il est à droite, deuxième case. Ok. Bon les amis, il va falloir que j'arrive à faire en sorte... Je vais faire ça. Ok. Je veux que tu me dises à quel moment mon chevalier il arrive entre les deux cailloux, s'il te plaît. Encore une fois, c'est bon. Ok. Est-ce que l'autre chevalier est devant la tour là? Oui, il y en a un qui est devant la tour, oui. Il est à la même, enfin, il est pile devant la tour ou il est à la même, dans la même ligne maintenant? Il est dans la même ligne que toi, enfin que l'autre, que ton autre chevalier. Donc normalement les amis, si je ne me trompe pas, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Oh putain, je suis en train de faire de la merde. Il est l'autre, il est devant la tour, je parie. Non. Enfin, il y en a un qui est oui devant la tour et il lui manque une deux cases pour y aller. Et il y en a un qui est à côté, qui est à cette diagonale, la diagonale de l'autre. J'ai deux cases pour y aller. En comptant la tour. D'accord. Non, sinon, non, tu montes en as une. Et l'autre, il est à sa diagonale. La diagonale de la deuxième tour. Ok, alors, je veux que tu me dises quand mon chevalier qui est à la diagonale gauche, que tu m'as dit à la diagonale gauche, donc il est là. Je vous montre où il est, les amis, sur mon écran. Il est là. Et donc, il faudrait que je déplace trois fois à droite pour pas qu'il tombe, c'est ça? Froid où? À droite. Ouais, enfin il sera au bord quoi. Il sera au bord, mais il ne sera pas touché par le caillou qui sera derrière lui. Oui, normalement. Ok. Alors, 1, 2, 3. Donc là, il est là, actuellement. 1, 2. 2 sur le côté, et normalement 2 en avant. C'est bon. Victory. J'aurais jamais réussi ça. This was a trap. My sons, what have I done? Qui c'est qui me parle?
dans le passage. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, juste essaie de repérer l'ombre. Pourquoi? En rentrant. Je suis rentré, mais on va pas. Ladies and gentlemen, welcome to tonight's feature trial. Je le découvre où? Je sais pas. Est-ce que je peux repérer Alors, et là, on se voit. Coucou! 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 Miss Minis! Alors, tu le vois, le méchant, là? Non, là, je ne le vois pas, moi. Je n'ai aucune vision sur lui. Est-ce que toi, il est dans un des... Le plafond est trop haut, donc je le vois pas. Non, mais une des douves, là. Qui est en dessous. Tu sais qui est autour, là. Je vais me prendre la gueule, je vais pas comprendre. Oh, il y a des lags, les amis, c'est normal. Oui, tu... J'aimerais pas qu'il nous fasse une peur bleue, non? Oui, tu... Oui, tu... Non, ça a l'air d'être bon. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et même pour la session directement, parce que pour nous, il se fait tard. Et normalement, c'est l'heure où on arrête, que ce soit le live ou les... Oh le con, il était où? Je sais pas, j'ai juste reculé ici. Les amis, tout va bien. Je suis rassuré. Donc, les amis, on va arrêter la session là. Donc, on s'arrête à une énigme. Je ne vous spoil rien, je ne vous dirai rien. On ne l'a pas passé, donc on ne sait pas ce qu'il y a après quoi que ce soit. Les trois premiers épisodes, c'est exactement ce qu'on a déjà fait et qu'on connaît à peu près. Donc, j'espère que vous aurez aimé cet épisode avec nous. Que vous aurez peut-être pas tout compris, mais n'hésitez pas, voilà, comme on dit, à avoir les deux visions pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, ce que moi je fais de mon côté, ce qu'elle elle faisait de l'autre, ce qu'elle elle voyait, ce qu'on... Bref, qu'on puisse se voir mutuellement. Si on n'a pas d'autre méthode, malheureusement encore, on n'a pas trouvé de méthode pour pouvoir s'envoyer les vidéos, etc. et faire des petits montages. Donc, nous on vous dit, j'espère que voilà, vous aurez aimé, et puis si c'est le cas, vous nous le dites, et puis nous on vous dit, on vous fait des bisous, puis on vous dit à la prochaine. Au revoir. À bientôt tout le monde.